Allez, salut une fois de plus les gars, voilà, c'est toujours moi de Samos Pita. Et j'ai décidé comme ça de finir avec la bourse de la Belgique. Donc on va faire un peu rapidement pour pouvoir terminer. Donc cette fois-ci c'est la quatrième vidéo, c'est ici que nous sommes arrêtés. Alors nous sommes là juste pour l'enregistrement et pour postuler à la bourse de la Belgique, la bourse Arex de la Belgique. Alors donc j'ai déjà fait plusieurs vidéos auparavant, donc si vous voulez voir ces vidéos là, je vais mettre ça en, je vais mettre les liens par exemple comme ça en commentaire ou bien dans la description, vous pouvez voir avant de venir sur cette vidéo là. Donc ici nous allons postuler un peu rapidement. Donc ici on nous dit que pour pouvoir, bon je vais mettre ça en français un instant, voilà, donc je clique là français, ok, voilà ça va. Donc pour pouvoir finir votre candidature et postuler, il faut suivre les critères qui sont là. Ce sont les trois éléments qui sont là, c'est-à-dire activer votre compte Giraffe, ouvrir et compléter votre formulaire de demande et la date limite d'introduction des candidatures. Donc ici, pour pouvoir postuler, je vous ai déjà dit, il faut être parmi les pays qui sont là. Si vous n'êtes pas parmi ces pays-là, ce n'est pas la peine, ils vont vous préciser cela même. Voilà, donc voici les pays qui sont là. Si vous avez créé un compte l'année passée, rendez-vous directement au point 2. Ça veut dire que si vous avez créé un compte, c'est pas la peine, vous devez commencer par là au point 2 ici. Voilà, mais si vous n'avez pas encore de compte, alors vous commencez par ici. Donc ici, quelle est votre nationalité? Moi, je vais prendre par exemple comme ça Cameroun parce que Côte d'Ivoire n'y est pas. OK. Travaillez-vous ou résidez-vous actuellement dans un de ces 29 pays? Vous mettez oui, c'est non directement, vous serez disqualifié. Voilà, donc quel est votre niveau d'études? Si je viens pour la licence ou bien le master, je vais mettre, alors mon niveau d'études c'est licence. Quelle est votre expérience professionnelle? Je peux témoigner de 2 ans d'expérience. Ok, quand vous finissez maintenant, vous créez votre compte Giraffe, comprenez, vous serez dirigé à mettre votre email ici. Je vais prendre mon mail, je vais mettre mon mail ici. Ok, donc j'ai fini, je mets mon mail ici, je vais aller sur l'étape qui suit. Ok, ici, attention, si vous avez créé un compte l'année passée, il est inutile de recréer un compte. On vous réédit et réédit encore. Si vous souhaitez créer un compte, suivez les instructions qui sont là. Vous n'êtes pas de nationalité, résident et travaillant dans le pays. Si vous êtes étudiant, vous n'avez pas deux ans d'expérience. Je vous rappelle très bien qu'avec un an d'expérience, même vous pouvez. Donc, ici, c'est pas vraiment très très valable. Et si vous n'avez pas le niveau d'études requis pour la formation à laquelle vous souhaitez postuler. Donc si vous respectez ces trois éléments là, alors ça veut dire que c'est inutile pour vous de postuler parce que vous ne pouvez pas l'avoir, vous êtes déjà disqualifié. Voilà, ça veut dire quoi? Si vous n'êtes pas de nationalité de l'un des 29 pays, ou bien vous n'avez pas 2 ans d'expérience, ou bien vous n'avez pas de formation en ce qui concerne le niveau que vous avez dit que vous avez. Voilà, donc je commence ici, vous voyez, il y a assez de choses à faire. Donc, on va s'enregistrer et puis après, on verra comment faire pour pouvoir continuer. Donc, ici, le sexe homme, le nom, je vais prendre par exemple. Ok, le prénom, je prends. Ok. La date de naissance, étant donné que je viens par exemple pour le master ou bien la licence, je vais choisir licence. Donc j'ai mis là-bas que je choisissais master, je venais pour le master, je crois. Donc ça veut dire que j'ai la licence. Donc ici, si je viens pour le master, je vais prendre ce que je suis né en 2001 ou bien 2000. Je vais prendre 2000. Ok, 2004, on y va, 2004, février 2004, le 14 février 2004, lieu de naissance, je vais mettre Abidjan.
Ok. Donc ici, département service, c'est pas vraiment la peine. Domaine d'études, vous voulez faire quoi comme domaine d'études? Vous voulez faire quoi? Je vais faire par exemple par la musique, la science, la société, criminologie, information de communication. Ok, donc information de communication, adresse personnelle, je vais mettre mon adresse, je vais prendre par exemple ce qui est déjà ici. Ok, la ville, je vais prendre comme ça Abidjan. Ok, le téléphone. Adresse privée, ça vous n'êtes pas obligé de mettre. Ok, ici ici pays de naissance Côte d'Ivoire. Ici nationalité aussi Côte d'Ivoire. J'ai pris, excusez-moi, j'ai pris le Cameroun, donc je vais remplir en fonction du Cameroun. Le Cameroun, je vais mettre en fonction du Cameroun, je crois que c'est mieux. Ok, donc j'ai ma Côte d'Ivoire, c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. Donc j'ai pas en Côte d'Ivoire. Ok, nationalité Côte d'Ivoire. Ok, la fonction, vous n'êtes pas obligé. État civil, célibataire. Ok, ici, pays. Ça, c'est pas un problème. Vous pouvez mettre Côte d'Ivoire comme vous voulez. Vous mettez ce que vous pensez. Ok, donc ici adresse, je prends ça. La ville, je mets Abidjan. Ici c'est pour adresse privée, voilà, mettez Abidjan. Ok, donc le numéro, vous mettez le numéro et ici, ce qui est important, c'est le pays. Donc vous mettez le pays, c'est Cameroun, vous mettez Cameroun, voilà. Ici, il y a Cameroun, je ne sais pas pourquoi en haut, il n'y a pas Cameroun, non. Ok, bon, je crois que ça va. S'il y a un souci, ils vont vous dire et vous allez rectifier. Ok, on va s'enregistrer. S'il y a un souci, on va aller rectifier. Donc, ok, donc je crois que ça va. Merci de votre demande. Ok, quelques secondes, votre adresse au courriel, vérifiez votre spam si nécessaire. Donc, ici, on va aller comme ça voir dans notre boîte email si on a reçu un message pour pouvoir valider avant de venir les remettre ici et commencer à postuler à notre bourse. Vous comprenez? Voilà, donc, on va aller vérifier rapidement si on a reçu un message. On a reçu un message. Ok, ici c'est Open Door. On nous dit que si vous n'avez pas encore reçu, essayez de vérifier comme ça ou ça dans le spam. Voilà, parfois ça vient là-bas. Donc n'oubliez pas, le spam on se trouve quelque part ici. Voici là.
Donc on va vérifier. S'il n'y en a pas, on va attendre. Il n'y a pas de spam. Donc voie de réception encore. Ici c'est Open Doors, ça se passe à le boost là. Voilà, ça vient d'arriver, girafe. C'est ce qui est là. Voilà, nous vous remercions de votre demande d'inscription. Votre demande est actuellement en cours de validation manuelle par l'AREX. Un délai de quelques heures à quelques jours est d'application. AREX est fermé le week-end et les jours fériés belges. Il est inutile de créer plusieurs comptes. Une fois la validation faite, vous recevez un autre courriel de confirmation contenant des informations vous permettant de vous connecter, choisir votre mot de passe et tout ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour pouvoir continuer à postuler, c'est-à-dire pour pouvoir continuer à postuler ici, voilà, on doit attendre à ce que AREX valide notre compte. Voilà, une fois qu'ils ont validé le compte, vous allez recevoir un message et par là, vous allez maintenant commencer à postuler. C'est-à-dire vous allez maintenant mettre vos liens ici, le courrier, c'est-à-dire le mail et son mot de passe et c'est tout. Vous allez cliquer là, se connecter. Vous allez maintenant partir sur la plus grande page pour pouvoir postuler à la bourse. Voilà, donc j'espère que cette fois-ci ça va. Et surtout, merci de me suivre. Et c'était moi, le Samos Pita. Vous êtes sur la chaîne 2, monsieur le Russe 225, les gars. A plus.